Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte qu'on peut vivre comme une douce manière d'entrer dans la nouvelle année. Et 2020 vient de se terminer et en cette fin d'année, beaucoup ont souhaité tourner la page, passer à autre chose le plus vite possible. Et on est nombreux à espérer que 2021 sera meilleur, que le pire est derrière nous, mais comment en être sûr? Comment avoir l'assurance qu'un bonheur nous attend dans les jours et les mois qui viennent? Eh bien, c'est ailleurs que nous devons chercher le bonheur. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on va accomplir, ça ne sera pas non plus dans ce qu'on possède ou ce qu'on va posséder. Le vrai bonheur, celui qui résiste au temps, qui résiste aux circonstances, la vraie joie, celle qui ne tarit pas, on va la trouver ailleurs que dans certaines réalités visibles. Et on a célébré tout récemment Noël. C'est cela, la vraie joie. Le moment de Noël, on peut le vivre encore maintenant. Je vous invite donc à ne pas tourner la page trop vite, peut-être, et à continuer de nous souvenir de l'enfant Jésus qui est venu pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Jésus, ce n'est pas uniquement le petit enfant qui naît dans la crèche, mais c'est aussi celui qui vit et qui meurt pour nous. Et ce qu'on doit retenir, c'est aussi le message qu'il nous apporte, un message qui est vrai encore aujourd'hui et qui nous apporte une immense joie, une joie intarissable. Jésus est là pour nous libérer de tout ce qui nous pèse, ce qui peut nous blesser, de ce qui peut nous faire peur. Alors je vous invite à chanter maintenant parce que Jésus-Christ est la lumière, il est la lumière du monde. Son nom est saint.
Christ et la lumière. C'est ce qu'annonce le prophète Ésaïe bien avant la naissance de Jésus. Ésaïe écrit dans un contexte extrêmement sombre, extrêmement tendu. Il parle d'un peuple qui marche dans l'obscurité, sous le joug de l'oppression. Et dans ce contexte-là, le prophète explique que c'est un enfant qui va apporter l'espérance et la libération. Je vous lis ce passage du livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 5, dans l'Ancien Testament. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, père pour toujours, prince de la paix. » C'est tout de même inattendu qu'un enfant, un bébé, soit appelé sauveur, prince, père, Dieu fort. Tout cela parce que cet enfant va grandir et il va gagner en assurance, il va accomplir tout ce que Dieu souhaite pour l'humanité. Jésus accomplit le plan de Dieu, il est Dieu et homme. Voilà pourquoi il est appelé conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Voilà pourquoi le nom de Jésus est si merveilleux. Le nom est victorieux, le
tant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. À la droite du Père, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Seigneur. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta bonté, nous voici pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est Jésus a accompli totalement, entièrement le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Et il a pris nos fautes pour que nous soyons libérés du péché. Alors que devons-nous faire ? Simplement le chercher, l'accepter dans nos vies, lui faire confiance. Il ne s'agit pas d'un effort qu'on doit faire, mais d'un pas de foi, d'une façon de lui dire qu'il peut entrer dans nos vies. Voilà ce qu'on lit dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, au chapitre 12 et au verset 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus règne déjà, maintenant. Et
nous pouvons l'inviter à régner dans nos vies. Nous pouvons l'inviter dans notre quotidien. Et on peut lui dire, Jésus, Jésus, je t'accepte, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur. Jésus, sois le centre. Je vous invite à chanter ce chant et le suivant en adressant ces paroles au Seigneur comme une prière. Thank you.
jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de Avant d'entendre le message, nous allons entonner un dernier chant pour demander à Jésus de nous envoyer son esprit. Le Saint-Esprit nous aide à trouver les mots lorsque nous prions et que nous nous adressons à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre lorsque Dieu nous parle dans sa parole, lorsque nous lisons la Bible. Le Saint-Esprit nous accompagne aussi dans notre vie de tous les jours. Il nous équipe. Il nous conduit, il nous réconforte. Le Saint-Esprit nous accompagne à chaque instant. Que le Saint-Esprit nous éclaire maintenant et dans les jours qui viennent. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche viens déverser ta tendresse au milieu.
Donc c'est maintenant le moment du message et je vais laisser la parole au pasteur Jeff Stewart. Je vais d'abord lire le passage dans Josué, chapitre 3, les versets 1 à 6. S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes, et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. Merci Stéphanie. Bon, on va commencer avec un moment de contexte. Nous sommes dans le livre de Josué, c'est après l'exode d'Israël d'Égypte vers le pays de promesse, de la promesse. Et c'était une promesse que Dieu a faite à Abraham environ 1800 avant Jésus. Et maintenant, ils sont sur la frontière de cet pays de la promesse. C'est 400 après cette promesse d'Abraham. Ça fait 1400 environ avant Jésus. Et Dieu était avec les peuples pendant tout cet exode. Ici, nous voyons que ils sont partis de Sittim et préparés à traverser la rivière du Jourdain. Et là, nous voyons, ils sont déjà, dans le chapitre 2, envoyés les espions pour regarder le territoire, les villes fortifiées comme Jéricho. Et ils sont revenus avec le perspective d'y aller et héritier cet pays. Mais ici, il y a quelque chose qui est très, très intéressant dans cet passage. En verset 2, où il dit, c'est dans verset 2, « Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp en donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez le prêtre, le Lévite, portez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes. » C'est intéressant parce qu'il y était un sens d'espérance. Ils regardent vers l'arche, ils regardent vers Dieu, l'endroit où Dieu est, pour voir le mouvement, pour voir quand Dieu va commencer à agir, quand Dieu va commencer à bouger un petit peu. Et c'était toujours avec cette perspective, cette espérance. Et c'est comme nous, quand nous avons quelque chose qui est bon et nous attendons comme Noël ou quelque chose comme ça, c'est toujours avec un œil vers cette truc. Et c'était comme ça pour le peuple d'Israël. Et aussi, dans verset 3, les officiers ont dit « Gardez en distance entre l'arche de l'Alliance et le peuple, environ 1 kilomètre. » Et c'est intéressant parce que c'est un camp. C'est comme les fourmis, elles sont partout. Et s'ils sont autour de l'arche, personne ne sait quelle direction ils vont aller. Et,
Et avec cette distance, la direction, le chemin du Seigneur est très, très clair. C'est plus clair que tout le peuple ensemble autour de l'arche. Et c'est très important pour nous aussi de prendre cette perspective, d'attendre et regarder ce que Dieu voudrait faire, sa volonté. Ce n'est pas toujours évident pour nous. Si nous sommes à côté, oui, nous voudrions être à côté de Dieu. C'est notre place vers Dieu. Mais il est toujours devant nous, selon sa volonté, selon sa sainteté et tout. Il est au-dessus de nous. Et nous avons une place qui est en suivant lui. Et c'était comme ça pour le peuple. Ils suivent l'arche avec cette distance. Et il y était en séparation. C'était à cause de la sanctité de Dieu aussi. Mais la raison principale était qu'ils n'ont jamais allé dans cet endroit-là. Ils ont voyagé dans les cercles, dans le terrain sauvage, pendant une génération. Tous les parents sont morts au désert et maintenant ils sont en train d'aller au pays de la promesse. C'est un territoire différent. Et ils ont besoin de suivre Dieu. Et un peu plus loin dans le texte, nous voyons en verset 5, Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » C'est souvent le cas, je parle de moi-même, mais je peux imaginer que c'est pareil pour vous aussi. Il manque cet émerveillement dans nos vies. Nous faisons les choses pour Dieu, mais c'est familial. C'est comme nous sommes trop familial avec lui. C'est comme, il est comment? Pas sans. Nous oublions qu'il est puissant, qu'il est le Dieu très haut. Et nous faisons les choses qui sont... C'est comme un ami, ou Jésus est mon ami, oui, il est notre ami, mais il est aussi le Fils de Dieu. Et ici, il y a un sens. On doit revenir dans ce sens d'émerveillement. Dieu va faire les merveilles au milieu de le peuple. Et c'est pareil pour nous aussi. Maintenant, dans cette époque, Dieu va faire les choses. Dieu n'a pas fini d'agir ou faire les choses. Ce n'est pas nous qui fait l'Église, ce n'est pas nous qui agir pour Dieu seulement, nous répondre quand il agit. Et il fait les merveilles. Même dans le corps humain, il transforme les gens du royaume de ténèbres. Les gens qui sont perdus sont libérés. Et c'est très important, mais c'est connecté avec la consécration. Nous voyons dans verset 5 là. Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles. Et consacrez-vous, c'est-à-dire traiter différemment, mis à côté pour quelque chose de spécifique. C'est quelque chose qui n'est plus utilisé pour les tâches ordinaires. Et c'est comme nous. Nous étions les choses très, très communes, très, très ordinaires. Mais en Christ, nous sommes saints. Nous sommes différents maintenant. Et la définition exacte est être séparé. Consacré, c'est être séparé. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une séparation entre Dieu et le peuple. Et entre nous
Et les autres qui ne croient pas, qui ne croyaient pas. Mais c'est important que nous sommes toujours là à la porte pour les inviter aussi, pour les gens qui sont perdus. Mais cette idée de consécration, c'est par exemple, il y a une différence entre consécration et sanctification. Consécration, c'est normalement, dans ma tête, je pense, de l'acte de, en donnant, je donne ma vie, je donne les choses à Dieu et il les sanctifie. Il les lave, il les sépare pour cette œuvre sainte. Parce que nous ne sommes pas assez saints pour être utilisés, sauf que la grâce de Dieu. Mais en donnant nos vies, nos propres affaires, nos propres pensées, Dieu les prend et les transforme. Comme dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, Paul a dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est nous qui nous donnons comme un sacrifice vivant. Et c'est lui qui nous transforme pour sa volonté, pour sa gloire. Et c'est juste par la grâce de Jésus. On ne peut rien faire pour Dieu qui il n'a pas besoin de quelque chose que nous pouvons faire. Il est toujours, il est le je suis. Mais nous faisons un sacrifice pour sa gloire quand même. Mais ce n'est pas parce qu'il manque quelque chose. C'est un sacrifice. C'est une action, une chose qu'on peut faire pour montrer comment nous lui aime. Mais souvent, nous avons cette idée qu'il a besoin de quelque chose, que Dieu a besoin de nous, qu'il a besoin de nos efforts, notre argent, ou je ne sais pas. Et oui, Dieu utilise les choses que nous lui donnons, mais ce n'est pas parce qu'il a besoin de nous, nos affaires, nos biens. C'est acceptable parce que c'est un sacrifice, c'est un symbole de notre adoration. Mais c'est toujours avec cette perspective d'une relation avec lui. Ce n'est pas une transaction comme nous sommes à la caisse et poup, nous sommes sauvés, poup, nous avons la justice, poup. Voilà. Non, c'est une relation. C'est notre culte raisonnable à Jésus qui nous a sauvés, à celui qui était mort, qui était crucifié pour nous. Et pour nous, c'est plus important d'avoir ces pensées, cette atmosphère, cette attitude de la simplicité, comme les enfants, comme Jésus a dit, que nous avons besoin d'accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Jésus a dit que c'est nécessaire.
Selon Jésus, c'est nécessaire pour nous d'avoir cette simplicité à propos de sa royaume. Et cette idée de cet émerveillement, je me demande, quand était la dernière fois que j'étais étonné par Dieu? C'est de temps en temps, mais souvent, j'ai les temps qui sont bassés, ne sont pas trop grands. Ah, Dieu, je prie que je vais survécu ce mois ou un jour au boulot. Mais c'est Dieu très haut, Dieu très haut, qui en a cette relation avec le Créateur de l'univers, le Créateur de toute l'humanité, et nous avons ces idées, ces pensées qui sont trop petites à propos de lui. Il faut que nous gardions cet émerveillement et regarder vers l'arche, regarder vers Dieu pour ce moment quand il commence à bouger, il commence à agir. Parce qu'il voudrait transformer le monde. Peut-être en utilisant nous, peut-être pas, mais c'est pour sa gloire. Et il y a les merveilles qui sont toujours autour de nous. La santé de nos familles, l'opportunité au travail, notre salut. Les merveilles sont encore là. Mais nous avons cette idée que je parle, j'ai dit nous, mais je parle à moi-même. Je suis souvent anxieux pour les choses qui sont petites dans les yeux de Dieu. Et je peux facilement demander, Père, aide-moi. Et il est toujours là pour nous, toujours là. Il garde nous comme le bon berger. Il est le roi des rois. Nous avons les idées politiques qui nous distraient, mais regarde, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On a peur, pourquoi? L'application, c'est simple aujourd'hui. Regarde vers le Seigneur. Laissez un peu la distance pour regarder quel chemin Dieu voudrait nous conduire. Et aussi, garde cet sens de l'émerveillement. Parce qu'il est Dieu. Et on peut dire que c'est notre Dieu. Notre Dieu. Il nous a choisi d'être son peuple. On peut rappeler qui il est et rester dans ses bras. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette histoire accompli pour montrer ton amour pour nous, la manière que tu agis pour ton peuple. Et merci aussi pour ta fidélité. Nous mettons toutes nos confiances en toi. Nous sommes fiers que nous pouvons dire que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen.